Good morning, Alaïdan, et ce sera aujourd'hui le Lunish Matam, Amandé, Rémen, Yitzring, Vafenit, Vorabat, Esther, et Rosette, Zorabat, Sultan. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Mesechet, Yvamot, Perek, Tedvav, Mishnachet, Achat, Omeret, Met, Ve Achat, Omeret, Lo, Met. Zosh, Omeret, Met, Tinase, Vitor, Ktubata. Ve Zosh, Omeret, Lo, Met, Lo, Tinase, Lo, Tidor, Ktubata. Achat, Omeret, Met, Ve Achat, Omeret, Neherag. Rabbi Meir Omer, Oil ou Makrishot, Zoezo, Arielo, Loïna Seou. Rabbi Yoda et Rabbi Shimon Omrim, Oil ou Bezo, Bezo, Modot, chez Enkayam, Ina Seou. Ed Omer met, Ved Omer l'omet. Isha Omeret met, Ve Isha Omeret l'omet. Arizou, Lotina Seou. Et on explique, Bezrat Hashem, on continue le sujet des témoignages d'une. Et Teragounot, permettre à les femmes dont les maris ont disparu, on ne sait pas ce qui se passe avec eux, on a deux possibilités de les permettre. Soit avec elle-même qui nous raconte que son mari est mort, soit un témoignage de un seul témoin, même un témoin qui n'est pas validé en général pour témoigner, cette fois-ci sera valide pour témoigner. On avait pris dans la mission précédente quelques exceptions à la règle, il y a quelques femmes qui ne sont pas crédibles pour nous raconter que son mari est mort. En l'occurrence, une d'entre elles, c'était la Tsara, la co-épouse, c'est-à-dire... Si Réhouven est marié à deux femmes, Rachel et Léa, Rachel ne peut pas témoigner pour Léa. Léa ne peut pas témoigner pour Rachel aussi. Dans notre Mishnah, maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de très... Dans la première partie de la Mishnah, avec quelque chose de très original, c'est qu'en fait, on avait Réhouven qui était avec ses deux femmes à l'étranger. Il est parti en croisière, il a pris deux chambres d'hôtel, un jour avec l'une, un jour avec l'autre. Et puis, la croisière se finit, les deux débarquent, vont au Bédine, ils disent, ouais, il est tombé... Tribord, bah, je sais pas comment on dit, à bâbord, hein, et là, il y a un requin qui l'a bouffé. D'accord? Une qui raconte ça, et l'autre qui l'a contredit, qui dit, bah putain, il a décidé finalement de s'arrêter à Chypre, et de partir faire des affaires, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, en fait, il y en a une qui nous raconte, donc, mon mari est mort, je veux me remarier, et l'autre qui nous dit, bah putain, mon mari n'est pas mort, il est encore vivant. Une, elle n'est pas crue sur l'autre. Vous voyez la situation? Mais pour elle-même, elle est crue. Alors, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, et on va découvrir en fait une discussion. Pour le moment, la Mishnah me dit comme ça. Achat omeret met. Une dit que son mari est mort. Achat omeret l'omet. Et l'autre lui dit non, pas du tout, il n'est pas mort. Il va revenir d'ici un an, il a dit. Eh bien, zoshe omeret met. Tinase vetitol ptubata. Celle-ci qui nous raconte, qui dit que le mari est mort, elle, on va lui dire, mais écoute, tu témoignes, tu dis que ton mari est mort. Nous, l'autre, elle n'est pas crue pour toi, donc il n'y a aucune contradiction. Tu reçois notre feu vert, tu peux te marier, et même mieux que ça, tu pourras même prendre ta ktuba. Comme si on avait vu l'histoire avec Beth Shammai et Beth Hillel là-haut, alors elle est fixée comme Beth Shammai, sur sa même Beth Hillel ont été reconnus à Beth Shammai. Qu'il y a marqué dans la Ktouba, dès que tu reçois la femme sur ton marié, tu prends même aussi le petit pactole de 400 000 euros. D'accord? Ou 26 000 euros, ça dépend combien elle était généreuse sous la Ktouba. Donc, Zoshe Omer et Met Tina Sevitel Kota. Celle-ci qui va nous dire que son mari est mort, elle pourra se marier et prendre sa Ktouba. Zoshe Omer et Lomet, et celle-ci qui nous dit qu'il n'est pas mort, l'autre, il ni elle se marie, ni elle prend l'octobal, elle patiente. Aguna. Le temps que ça prend. Achat omeret met, vachat omeret neherag. Maintenant, on a une nouvelle situation. Un qui nous dit qu'il est mort, c'est-à-dire, c'est quoi qu'il est mort? Il est mort quand on était dans le paquebot là-bas, en croisière, il est mort dans sa chambre. L'autre ne dit pas du tout, achat omeret neherag, l'autre nous dit qu'elle a été tuée. Il y a eu des pirates qui ont débarqué et ils ont tranché la tête. Marloquette. Il y a deux, une. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va lire les deux avis, on va expliquer le deuxième, après on vient sur le précédent. Rabbi Meir, mais Rabbi Meir nous dit, oui, l'on m'a crichot zo et zo, arre elou loïna seou, puisqu'elles se contredisent, là, cette fois-ci, on ne pourra plus les permettre. Et sur ça, il y a Rabbi Yoda et Rabbi Shimon Omrim, oui, le bezo, bezo, modot, chez Enkaya, mina seou. Rabbi Yoda et Rabbi Shimon nous dit, non, au contraire, puisque les deux nous reconnaissent qu'elles sont, qu'il est encore. Qu'il est mort, peu importe comment il est mort, l'autre c'est une mort naturelle, l'autre c'est une mort parce qu'il s'est fait les pirates ou les requins, je ne sais plus où j'en suis, eh bien, quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est qu'il est mort, il n'y a pas de contradiction entre elles, il est mort et elles pourront se marier. Bon, il y a un petit problème technique. C'est-à-dire qu'en réalité, là, ce cas de la Mishnah, on l'a compris apparemment. Il y a maintenant une discussion entre comment il est mort, comment il est mort. Et il y a une. Donc on se retrouve dans une situation où une dit comme ci, l'autre dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Elles se contredisent. Et là, on a Rabbi Meir qui nous dit que elles sont pas crues,
Et Rabbi Yehuda qui est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon qui est Nézoré. Elles sont vieux parce que finalement, peut-être qu'elles se contredisent, mais finalement, c'est pas tellement fondamental puisque tout le monde reconnaît qu'il est mort. En fait, cette Mishnah-là, cette étude de la Mishnah, elle contredit la partie de la première partie de la Mishnah. Parce que dans la première partie de la Mishnah, on a dit que même quand il y a une vraie contradiction entre les deux, une qui nous dit qu'il est mort, l'autre qui nous dit qu'il n'est pas mort, une co-épouse n'a pas à prêter oreille à ce que sa co-épouse lui raconte. On s'en fout. Elle est là pour la planter, pour faire qu'elle ne va plus pouvoir se marier, pour faire qu'elle elle est là pour lui faire des misères. Nous, de notre côté, quand elle parle, on se bouche les oreilles, on s'en moque de ce qu'elle peut raconter. Suite à ça, on avait dit là-haut que même si y en a une qui nous dit que son mari il est mort, l'autre dit non, son mari il n'est pas mort, on lui dit toi, tu dis que ton mari il est mort, tu vas te marier, tu prends même ta ktouba. C'est ce qu'on a dit. Et là, finalement, on a Rabbi Meir surtout, qui nous dit que non, puisqu'elles se contredisent, on ne pourra plus se marier. En fait, réellement, là, la Gemara l'explique. Que Rabbi Meir, il est en discussion même sur la première partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah nous dit en fait, en deux mots, la co-épouse, on s'en moque de ce qu'elle raconte. Elle est là pour bloquer, pour faire des misères à l'autre, soit pour lui permettre d'aller se remarier avec un autre homme alors que son mari n'est pas divorcé, soit au contraire pour qu'elle reste bloquée à vie, elles ont une haine naturelle, on ne prête même pas oreille à ce qu'elle raconte. Ça, c'est la première partie, le premier avis de la Mishnah. Rabbi Meir nous dit non, c'est une contradiction, on ne pourra plus la croire. Et même mieux que ça, même si les deux reconnaissent qu'elles sont mortes, qu'il est mort, mais qu'il y a même une discussion sur la manière dont il est mort, et ben de nouveau on va plus pouvoir les croire. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir, d'accord? En fait il y a une marque sur ça. Autre situation qu'on a déjà évoquée dans la Mishnah précédente, Edomer met, ve Edomer lo met. Contradiction d'un témoin contre un seul témoin. Isha Omer et met, ve Isha Omer et lo met. Ou bien même une femme qui vient et qui nous témoigne. Une femme, on est venu en fait nous dire que... donc une contradiction en fait, même avec deux femmes, une qui nous dit que le mari est mort, l'autre qui nous dit que le mari n'est pas mort. La Mishnah nous dit, un résout l'otinacé, elle ne pourra plus se marier. C'est une partie de la Mishnah qui n'est pas tellement expliquée, mais que je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. C'est qu'en fait, on parle d'un cas, c'est très simple. Comme on a expliqué, vous vous rappelez, la fin de la Mishnah précédente, on a expliqué le poids qu'il a le témoin pour témoigner que le mari est mort. Une fois qu'on a reçu son témoignage au Bedin et qu'on a tranché qu'elle peut se marier, s'il y a un seul témoin qui va venir le contredire, on ne s'intéresse plus. Mais si les deux témoins arrivent en même temps, alors là, il faudra prêter oreille aux deux, et on ne croira plus le témoin. Vous vous rappelez le principe? Un témoin, la Torah l'a cru, la Chachamim ont cru un témoin pour nous raconter que le mari il est mort. Mais tant qu'on n'a pas encore agréé son témoignage au Bedin, il n'a pas un vrai poids de un témoin, il n'a pas un poids de un témoin qui vaut comme deux. Il a un poids de un témoin. De ce fait, s'il y a un témoin qui va venir, qui va le contredire, il va annuler l'autre. Mais dès qu'on va recevoir le témoignage et qu'on va le vérifier, on va trancher, alors là, on va agréer maintenant son témoignage, du coup le 1, il va être considéré comme 2. Et s'il va être contredit ensuite par un seul témoin, et bien le témoin qui va venir, qui va le contredire, il ne sera plus cru. C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. Là, la Mishnah maintenant nous dit, s'ils viennent tous les deux en même temps, il va y avoir une contradiction entre deux témoins, on ne pourra plus recevoir le témoignage. Et que ce soit un témoin contre un témoin, ou même une femme contre une femme, ça ne change rien au problème. Un annule l'autre, d'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.